sur la Summone de Vincent Zo du 84 du Vaucluse. Voilà. Ah. Et ben ça nous a calmé d'entrée. On a Ragdoll et Vérad. Très bien déjà. On a également double Amélia Bastet. On a Woussa. On a Vanessa Pernachiou. On a Ritesh Léo Lagmaron. Et voilà. Et ben super. Super. Voilà. Salut YouTube, Iva Drop, Jana. Putain, ce serait magnifique. Alors, qu'est-ce qui nous a laissé invoquer 7 vélins. Ah, il y a encore une bénédiction. 7 vélins légendaires. Il y en a encore. On est en fin mars. Putain, vous êtes des ouf. 11 vélins Light and Dark, 8 vélins d'eau, 6 vélins de feu, 7 vélins de vent et 224 scrolls. Mystique, j'espère qu'on va te la claquer. Il y a aussi ça peut-être pour CRA, je ne sais pas si tu voudras les faire ou pas. On fera évidemment le question pour un jambillon, hein, le big deal bien sûr. Et voilà, voilà. Summon Session, énergie, mais on revient tout de suite. Je profite de cette petite interlude vidéo pour vous dire que ce week-end, on a récolté 17 000 euros pour l'association Arc-en-Ciel et que je tenais aussi à vous remercier, vous, sur YouTube. Voilà, parce que vous êtes aussi un peu les meilleurs. Donc vous pouvez vous féliciter et vous prendre dans les bras. Salut! Voilà, les énergies ont été balancées dans le chat. Il m'a dit que les énergies, les pierres, on les fera en dernier si Sarah tombait pas sur les pierres, donc en dernier recours. Donc ça me va, la montagne, ça nous gagne. Alors attendez, je refais juste mon petit cube pour le question pour un champion, pour le big deal. Et on est parti. Let's go. Là, ça aurait été incroyable qu'il n'y ait pas le skip, une étincelle, voilà, qu'on parte en coup, ce soit Serra, on se prenne dans les bras, incroyable. Mais non, c'est pas vraiment le cas du coup. Petit serpent, petit poney, petit poney. Ok. En tout cas, on est parti sur les chapeaux de roue, hein, puisque pour l'instant, on a été doté de zéro étincelle, mais voilà la première. Donc, alors merde, j'ai même pas parlé de sa wishlist du coup. Je crois pas. Wishlist, donc une étincelle LND, pas de doublon sur les nats 5, et du skill up sur tous les 4 nats jouables. Pierre en lassi, Sarah ne tombe pas. Voilà, donc on va faire en sorte qu'elle tombe. Comme ça, on fera pas les pierres, et boum, in the cul de balayette. On va voir, on va voir, on va voir. Par contre, ce qui me ferait chier, c'est genre Pra et Juno. Imagine dans le choix, t'as Praa, Juno, là j'aurais une grosse goutte, hein, je serais pas bien du tout. Mais bon, déjà il faut tomber le choix aussi, parce que c'est pas dur et c'est pas sûr et certain qu'il va tomber. La piste c'est du skill up hein, pour Iris, du coup c'est cool, on est content. Voilà. Skill up plus Pinus aussi finalement. Salut, salut Zodias. GG la subonnémorse. Mais comment ça? On continue. Derrière, une petite linge-linge. Skill up peut-être pour une fée éventuelle. Ou pour une Xiaolin. En vrai, tu peux tout skip. Non, non. Non, parce que j'aime pas faire les summons. J'allais dire à la chez tu sais. Comme ça. Passer à bloc. En vrai, j'aime pas parce que j'aime bien moi-même me builder le petit suspense, quoi. C'est pas plus à la chez je dirais plus à la Island Grown. Island Grown, gros, il te fait 200 vénins en 5 minutes. Hein. Mais bon. J'ai claqué ton son pierre hier pour Serra. J'ai eu Taor. Ça m'a complété la famille élémentaire. Je sais pas quoi en faire. Ah. Bon, je croyais que t'étais content au final, mais... Ok, bon, on a eu Chazune, c'est cool. On a un Brunis, c'est cool aussi. Tout ça, c'est du skill-up, du bon skill-up 4 nat, en vrai. Mais j'avoue, la petite bénédiction, on aimerait bien que t'as le temps. J'avoue. En vrai, il n'y a pas de suspense. Si, parce que ça peut être un Skogul, une Chena, des trucs bien, tu vois. Puis moi, j'aime bien les 4 nat. Là, tu vois, on a un skill-up Triana slash Harmonia. C'est pas mal. Le Birman, le Minototo, le chargeur Shurk, le Golem. Allez, il y a encore le skip. Le petit roi Barbarus, alias Ralsvelg, Ralsgeg. Petit Emma. En vrai, on a que du skill-up cool en vrai. Il y a des fois où les 4 nats, c'est que des trucs horribles, des succubes à la con, des trucs, des mobs de mort. Et là, on a que des bons skill-up. J'aimerais bien que le skip disparaisse à un moment, mais voilà. Ah, c'est vrai qu'en ce moment, dans la boutique, il y a 10% de réduc Neji. Il y a 10% de réduction avec un code spécial. Si vous le voulez, les gars, je vous le donne. S'il y a quelqu'un qui est en mode, vas-y et tout, je pensais me prendre un truc, je vous donne le code. Mais, alors, le code de réduction, c'est... Faut que je le retrouve. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, je vous le redonnerai. Je l'ai reçu par email. Ah, le Tyron, tiens, qui va être up. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il a passé l'âge où il devait utiliser Tyron. Je pense. Ok. On a fait à peu près la moitié des vélins. Toujours pas le skip disparu.
Mais Borsalino, excellent. On adore. Putain, il y a pas mal d'étincelles, hein. Petit, bah ça c'est pour Galion 1 ou Galion 2. Putain, mais la vache, l'étincelle. Trop bien les chaussettes. Yes, les chaussettes aussi, ces gars. Si vous voulez vous les prendre, enfin si vous voulez vous prendre quoi que ce soit, dites-le moi, mais dites-le moi avant de le prendre. Parce que comme ça, vous aurez le code. Intéressé par le code et les 10 packs de réap. Alors, les 10 packs de réap, c'est automatique. Et le code. Mais le code Carman, tu t'as déjà pris tout dans la boutique. Le code, c'est. Attendez, je vais vous le donner. Streamlabs. Voilà. Le code, c'est ça. Merch Madness, tout en majuscule. En minuscule, pardon. Voilà, vous le rentrez au moment du paiement et ça va vous donner, enfin, ça va vous demander si vous avez un compte, un truc de réduction ou pas. Et vous rentrez ça et vous aurez 10% sur la commande. Voilà. Moi, c'est pour la boutique, mon gros. La Kung Fu Girl, ok. On continue. Perso, je suis intéressé par le pack de Vinemont. Je sais plus si le pack de Vinemont, il y avait une promo aussi dessus ou pas. Faudrait que je redemande à Amazon. D'ailleurs, Amazon, j'aimerais bien qu'il fasse une nouvelle offre pour les nouveaux utilisateurs, parce qu'en ce moment, il n'a pas. Et enfin, un autre capitaine pirate. Putain, mais encore une fois, en skill up, on t'a rincé, je trouve. Mais le petit 5 net, quoi. Au moins un petit 5 net. Il a quand même la bénédiction. Bon, après, si c'est pour sortir un 5 net de type Airtight, tout comme ça, je ne dis pas non non plus, même s'il va être nerf, il restera bon. Bien sûr. Voilà. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ouais, la promo, c'est Amazon Coin si t'en as jamais pris. Tu vas quand même payer moins cher. Mais il n'y a pas de promo spécial nouvel utilisateur. Vous avez les mêmes promos que les anciens. Donc les coins moins chers que les packs. Mais ouais, on peut l'utiliser jusqu'à quand le code? Je crois, Are You Mad, que. Attends, je vais checker l'email après. Dès que j'ai un 5 NAT ou un truc comme ça, je checkerai l'email. Ou de, je dois passer au storage. Fait chier, on dit ne vend. Mais il me semble que c'est un truc genre jusqu'au 28 ou un truc comme ça. Je vais regarder après. Nerf AirTight? Yes, les gars. J'en parle dans la vidéo qui est déjà sortie sur YouTube. Hein. Putain, encore un verre des îles. Bon, ça vient ou ça vient pas? Oh la vache, il y a le skip tout le temps. Il y a une étincelle tous les 5 vélins, il y a le skip tout le temps. Ça, c'est Luc. Skill Up Moon ou Amarna ou des choses comme ça. C'est incroyable, n'empêche d'avoir autant d'étincelles et autant d'étincelles de qualité, mais pas de 5 nattes, genre. C'est hyper bizarre. J'avais jamais eu un. Ah! Hop là! Oh! Ok! Ok, c'est pas mal, c'est pas mal! C'est pas mal! C'est pas mal du tout! Bon! Bon, bon, bon. Alors, ici ou là, sachant que. Voilà, ça c'est pour Amazon. Hein. Je vous le mets dans Amazon, comme ça vous avez tout. Voilà. Bon, Vince, est-ce que tu préfères. Ici, merci Zodias pour le follow. Ici. Merde. Du coup, j'ai tout niqué, j'ai niqué la lune. Ici ou là? Ici ou là? Dis-moi tout, Vince. Dis-moi tout. Sachant que ton choix est très important, parce qu'après, tu ne pourras pas prendre l'autre. Enfin, tu pourras prendre le rideau, par exemple. Moi, j'aime bien les deux. Petite info, j'ai les deux. J'ai les deux. D'ailleurs, deuxième info. Ah non, non, non. C'est une fausse info. C'est une fausse info. Non, j'en ai pas eu trois de ceux-là. Je crois pas. Va pour la droite. Donc là, tu veux dire. Il n'y a pas de droite. C'est ici ou là. Donc ici ou là. Attention. Le voilà. Le voilà. Voilà! Petit Jamir, c'est pas mal, on adore, ça, j'en ai deux, j'ai monté les deux, etc. Donc, dis Siri avec ton ici. Ah, désolé, chaussette. Donc, c'est cool, c'est assez cool. C'est assez cool. Mais est-ce que tu préfères Jamir ou le rideau? Jamir ou le rideau? Dis-moi tout. Sachant que si tu prends le rideau, faudra pas dire oh non, finalement je préfère Jamir. Dis-moi tout. Le rideau. Non, je sais pas. Le rideau. Ok, le rideau. Est-ce que tu aimes bien Laika? Laika, je trouve que c'est quand même un bon choix. Enfin, je trouve que tu vois, d'un côté t'as un support avec un lead vitesse, de l'autre t'as un bourrin. Comme tu veux.
Tu te balances un OK Google. OK Google! Voilà. Oh, j'avais raison sur Laika. Yes, GG le code Laika. Neftis, pardon, bonsoir. Yo Fly! Ah, mais c'est vrai que t'as Neftis Fly! C'est vrai, tu dois être content. Laika, j'aime bien. Moi, je ferai pas ce raccourci. Hein. C'est pas du tout les mêmes modes. Hein. C'est pas du tout les mêmes mobs. Laika c'est fort, etc. Mais Jamir c'est très bien aussi. Hein. Jamir je m'en sers en labi, je m'en sers en PVP avec Lushen. Je m'en sers en PVE. Je m'en servais en raid et dans les teams Katarraid c'est pas mal aussi. Perso, je ferais pas ce rapprochement aussi rapide. C'est pas parce qu'il y en a un qui tape et que l'autre qui tape pas. Je m'en sers aussi en Théo Arbre de Jamir. Et Laika je m'en sers en PVP principalement en siège et de temps en temps en RTA. Très rarement en RTA. Jamir jamais en RTA. Mais il y en a qui le font. Merde, ça dépend de son objet de besoin. Ouais, exactement. C'est vrai que Jamir, quand je l'ai eu, j'étais deg, mais en vrai, il est trop utile. Bah ouais, il est vraiment bien. Donc, comme vous voulez, les gars. Enfin, comme vous voulez. Non, c'est pas comme vous voulez, c'est comme lui il veut. Comme Vince veut. J'attends. Tu peux un petit peu prendre ton temps. Mais pas trop. Voilà. Non, mais dites pas non plus Jamir tous les jours pour l'influence. Juste dis, il y en a qui disaient ouais, Laika, absolument 100%. Je suis pas trop d'accord. Genre, moi, j'aurais eu du mal à faire le choix. Il a répondu en... Ah, il a répondu, my bad. My bad. J'ai deux Laika et plus polyvalent. Pas d'accord. Il a dit Laika. Tu peux me confirmer Laika? Comme ça, on est sûr. Ouais, Laika, je pense. Non, non, il n'y a pas de je pense et tout. Et puis après, je fais le choix. Et ah non, en fait, je voulais Jamir, comme la dernière fois. Vas-y, ok, nickel. Voilà. Nickel. Eh ben, GG, tu es maintenant heureux possesseur d'un like. Donc, c'est très bien. Et j'en ai deux. J'ai deux Jamir et deux Laika. Mais je crois qu'il y a un des Laika qui a disparu dans un Léo, je crois. Genre, un matin, on s'est réveillé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon compte a disparu? Et ouais, j'ai cherché partout, je comprenais pas. Et j'ai vu que Laika avait pris un... J'ai vu que Léo avait pris un skill-up. Oh! C'est incroyable. Mec, t'as le cul bordé de nouilles. T'as tellement fait le bon choix. T'as fait le meilleur choix, mec. Le meilleur choix. C'est incroyable, putain. Le jeu a dit why not boss, c'est exactement ça, putain. What the chat, gros. Pouah, mais gros, c'est incroyable cette chat. J'avais jamais vu ça de ma vie, gros. C'est incroyable. Bah, GG, hein. C'est incroyable, putain. Non, mais c'est vrai, les gars, c'est vrai. L'étincelle d'après, c'est Jamir. Non, mais c'est ouf ici, mec. Si vous vous tipotez. Je me rappelle pas de ça. Ah bah merci le jeu. Ah bah là ouais t'es régalé putain. En plus je suis content parce qu'on avait galéré à avoir le premier 5 nats. Dans ma tête je suis en mode bon on aura peut-être un sur les légendaires. Et là boum juste après. Comme quoi dans le jeu tout peut arriver. Pour la chatte. Ah bah là ça part sur YouTube les gars. Ça part sur YouTube, ivre. Il fait le bon choix sans le savoir. C'est incroyable. Non, incroyable, le jeu veut te donner Jamir. Par contre, ouais non mais par contre gros tu vas bouffer 3 Jamir dans ta vie. Ça c'est sûr et certain, mais c'est pas grave, 2 c'est bien. T'en mets un en fight wheel, un en shield wheel ou violent wheel. T'es bien. Putain, c'est incroyable. Vraiment GG. Ça me donne la smile. C'est ouf. Petit Maurice. Ok. Petit Maurice. Très bien. Salut YouTube. Mais aussi les 4 nats, c'est insane. Ouais, en plus, tous les 4 nats qu'on t'a eu sont vraiment insane. Vraiment. Pour le coup. Genre, c'est full skill up, quoi. Call 0 ça. Ah bah pourquoi pas, hein, je pense qu'il serait content. Je pense qu'il dirait pas non à un 0 s'il ne l'a pas déjà. Vraiment. Je vois pas l'intérêt de dire non à un 0. On va regarder à la toute fin tous les procs que j'ai eu, mais vous allez voir que vraiment, il y a full skill up quoi. Il y a pas trop de trucs à jeter. Et en plus, 2-5 nats. Non, mais non, la Simone est incroyable. Genre très surprenante. Peut-être que le titre sera une Simone très surprenante. Call fail. Ok. Je l'avais déjà call fail. Mais bon, après, je colle tellement de trucs par summon que quand ça tombe, je peux plus dire pouah, je l'avais callé. Ça, non. Je ne le fais plus, vous avez remarqué. Parce que je colle trop de trucs, tu sais, je suis en mode bah écoute, je vais t'avoir Jäger, vu que t'as ragole.
Et si je l'ai vraiment, je crois que pouah, je l'avais call et tout. Mais vu que je le fais à toutes les semaines, c'est triche. C'est June et Zolti et Azolti le chauve. Attends quoi? Salut à toi, Zolti le chauve. Il avait combien de VM? 220 et quelques. Là, on a Serra peut-être. Non, pas Jamir là, par contre, sans déconner. Oh, deg. J'aurais bien aimé un petit, une petite surprise, une Serra surprise, quoi. Yes. 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 Yeah. Bon, là, peut-être pas une Pra, tu vois. Quitte à choisir, peut-être un Verad. J'ai call Laika, il y a eu Laika, j'ai call Jamir pour avoir pris Laika, il y a eu Jamir, j'ai call Giano au début, NP Vince. On va voir, Néji, hein. On va voir. On va voir si t'es une petite salope ou si tu dis la vérité. Tu rigoles, mais le lag marron que tu m'avais invoqué, je m'en sers à mort au point que j'ai pris le skin après Camille, il fait trop le café lag marron. Ouais, il est pas mal. Mais je rigolais pas. À aucun moment, j'ai rigolé. Fop, fop. Allez, Rakan. Rakan. Oh, Maruna. Stylé si tu l'avais pas. Vraiment stylé. Et puis d'ailleurs, c'est... putain, mais c'est encore du skill up, hein. C'est incroyable ça. Nom de Dieu. On fait la Light and Dark, du coup, on en a 11. Il voulait une étincelle. Ah! Dans ma tête, je suis en mode, mais attends, Rachid, ça a pas d'étincelle. Ouais, Yona, ok. Ok, c'est pas mal, c'est pas si mal. C'est moins utile qu'avant. C'est moins utile qu'avant. Ça pue pas la mer non plus, mais c'est ok. Du coup, s'il n'y a pas Neji, les permas. Bah dis donc, il y a un grudge là sur Neji. Ok. Ouais, mais si à Jana, on lui fait quoi? On lui suce la queue à tour de rôle ou c'est comment? Attends, là il reste un vélin pour Jana. Hein. Ah bah ouais. Au moins on a eu la wishlist les gars. On a eu la wishlist. J'ai cru à Tozi au début. Ah bah non. Alors on continue. Il y a peut-être Serra là-dedans. Hein. Sinon on fera les pierres à la fin. Oh yes, Talia. Pas mal. Putain, mais il y a encore de la régalade! Je vous aimais. Par contre, Balécu, c'est hyper marrant ton pseudo. Ça ressemble à dans le cul la valiette. Yulix TV, merci beaucoup pour ton follow. Encore une chakram. Putain, mais c'est ouf, hein. Allez, un petit 5 notes pour évoluer. Plus 5 notes. 5 notes pour évoluer. Non. Un roi barbare. Chazune, c'est n'importe quoi. Isa, ah. Bon, on va faire les pierres du coup. Essayer d'avoir Serra. Ciara. Ou Sekhmet. Mais bon, Ciara, c'est mieux quand même. 500 pierres. On va avoir une étincelle sur cette zouzouterie. Sur cette filouterie. Oula. La Scamstone, quoi, on la connaît. Ah! Thira! Non, ah bah, on n'est pas loin, hein. Eh bah non. Mais c'est pas grave, c'est une très très belle summon. On va regarder un petit peu tous les 4 nats qu'on t'a eu. Ah bah, tiens, verras-tu, con. On va tant mieux. Donc, la cage à mire, hein, sur un coup de chat extraordinaire. Extraordinaire. Sekhmet, je trouve que c'est un mob qui est pas si mal. Je trouve un peu sous-joué, mais. En gros, en général, tu vas vouloir mettre tes runes de meilleure qualité. En vrai, Sekhmet, je trouve qu'elle demande des runes de très bonne qualité. Et tu vas vouloir mettre ces runes-là sur d'autres mobs en RTA. Parce que c'est quand même un mob RTA. Mais bon. Donc voilà, Jamir et Laika. Derrière, on a eu énormément de skill-up quand même sympa. Vraiment. Regardez-moi tout ça. Là, c'est pareil. Putain. Les skill-up sont assez généreux. Hein. Et là, encore une fois, voilà. Tout ça, c'est skill-up. Hein. Tout ça, absolument tout, à part peut-être la Ondine, ça aussi peut-être, Maurice ça se joue, hein. Enfin ça se joue sur Ludo, le skill up, ça peut-être sur Tiron prochainement, ou Eredas, ça bon, bah, pas besoin de le dire, ça Julie, ça voilà, et la Skydanceuse, et derrière on a eu la petite, oh elle fait un petit clin d'œil, hop, oh là là la petite Yona, on la soulève. Enfin, on la soulève avec Garen, que je veux dire, pas à bout de bras, tu vois, pas de trucs sexuels dégoûtants. Mais regardez, oh, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, les gars, moi j'espère que vous avez kiffé. Je pense que Jinx, il a bien kiffé. Je pense que Jinx, il a bien kiffé. Vince, pardon, Jinx, je l'ai appelé, putain, sacré gueule que j'ai. Par contre, tu vois, si là il avait pris Jamir et que derrière il avait juste Jamir, là il se serait foutu en l'air. Donc je suis vraiment content qu'il ait fait le bon choix. Sinon, la Simone aurait pu être bien horrible en fait. Donc trop content. Bisous, abonne-toi et n'oublie pas, Owen the Saint égale Owen the Mich. Salut! Hey